là, j'ai un petit message aux jeunes, surtout du jeune qui vient seulement, je dis doucement, seulement le ramadan. Il faut savoir que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement pendant le mois de ramadan. C'est pas le ramadan est fini, c'est que je ramasse, je ferme ma valise de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais commencer à revenir à l'état d'avant. Non, c'est pas ça. Le ramadan, c'est une école. C'est pour t'apprendre comment continuer dans toute l'année. Évidemment, c'est pour ça que les shayatins sont enfermés. Mais alhamdoulilah qu'ils sont enfermés pendant le ramadan. Mais après, normalement, on va essayer de les enfermer. Et surtout les jeunes qu'on ne voit pas beaucoup ici à la mosquée, j'aimerais bien qu'après le ramadan, c'est pas parce que c'est fini le ramadan, alors c'est bon. J'ai abed pendant le ramadan, et ça fait, je vais aller chouya al-raha. Mais pourtant, al-raha, c'est dans la prière. On aimerait bien avoir plus de jeunes après le ramadan et pendant toute l'année. Toute l'année, j'aimerais bien avoir les jeunes ici à la mosquée. Alhamdulillah, il y a pas mal de jeunes qui viennent ici apprendre le Coran. Alhamdulillah, c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, quand on voit les jeunes à la mosquée, franchement, on est bien content. Voilà, pour les prières, les cinq prières de la journée, on aimerait bien avoir un peu plus de jeunes. Parce qu'à la fin, pendant le ramadan, c'était bien, c'est magnifique. Et les jeunes, après le ramadan, c'est pas l'adoration d'Allah, l'ibadah, c'est pas fini. Continuez et essayez de venir à la mosquée. Si vous n'avez pas école, s'il vous plaît, on aimerait bien vous voir tous à la mosquée.